2 milliards d'arbres. Vous avez sûrement déjà entendu dire ce chiffre. Ça fait partie de notre plan pour bâtir un avenir propre et vert. Parce que les arbres captent la pollution par le carbone. Mais pour que les arbres nous aident à lutter contre les changements climatiques, on en a besoin d'un grand nombre. Alors, voici comment on s'y prend. D'abord, on recueille et on plante des semences d'arbres dans les pépinières partout au pays. Les arbres poussent là pendant une période d'un an jusqu'à 10 ans, jusqu'à ce qu'ils soient assez matures pour être plantés. Et quand ils sont prêts à être mis en terre, on les plante. Depuis qu'on a annoncé ce plan en 2019, on travaille avec des partenaires pour renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent nous aider à en planter plus. Le processus de la semence jusqu'à l'arbre est complexe et a besoin de plusieurs années. Donc, on a conçu le programme pour qu'on puisse planter plus d'arbres à chaque année. Ça peut paraître compliqué, mais le résultat est simple. On va avoir plus d'arbres dans nos forêts, dans nos parcs et autour de nos terres agricoles. Chacun va faire discrètement sa part pour protéger l'environnement et assurer la qualité de l'air. Tout ça n'est qu'une portion de notre plan complet pour lutter contre les changements climatiques et atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Et en travaillant tous ensemble, on va y arriver.